Evzones et Acropole riment avec Grèce. Et ils pensent que l'Atlantide, à condition qu'elle ait existé, pourrait se trouver ici, dans cette caldeira. Cela nécessitait beaucoup de courage de monter. C'était très risqué. Mais c'est surtout la foi qu'il faut avoir chevillée au corps pour affronter cette épreuve. On n'imaginait pas, évidemment, que sous la terre pouvait se trouver encore en place une statue comme l'Aurige, qui est tout à fait improbable. La région de Sparte s'appelle la Laconie. Tout ce qui est laconique ou spartiate, en fait, est très dépouillé. Je viens ici chaque année pour remercier la Vierge de nous avoir aidés. Le feu est sacré pour nous. Avec l'aide des icônes, on traverse le feu. Nous sommes en Grèce et particulièrement à Athènes avec cette magnifique vue derrière moi de l'Acropole. La Grèce qui est le thème de ce nouvel épisode du Grand Tour. Je vous propose de vivre avec moi un voyage passionnant au cœur de l'un des berceaux de notre civilisation. Alors je vous emmènerai d'Athènes à Santorin en passant par Thessalonique, Delphes, le canal de Corinthe, Sparte, la Crète. Nous reviendrons dans les Cyclades, un voyage magnifique sur les traces du monde antique, avec ses lieux magiques, avec ses héros, avec ses légendes. Et nous commençons cette émission par le nord de la Grèce. Nous allons dans un monastère, le monastère de Varlaam. C'est un monastère qui est situé entre ciel et terre. Varlaam fait partie d'un ensemble de monastères qu'on appelle les météores. En grec, météore veut dire suspendu en l'air. Ces monastères impressionnants sont le symbole de la religion orthodoxe en Grèce. C'est là qu'à partir du XIVe siècle, des moines décident de s'installer. La légende raconte qu'au tout début, les premiers moines habitaient dans ces grottes, au pied des rochers. Mais pour échapper à l'envahisseur et aux brigands, les religieux vont se réfugier au sommet. Comment y sont-ils parvenus? Le mystère reste entier. Il faudra attendre le début du XXe siècle avant qu'un escalier ne soit creusé dans la roche. Auparavant, l'ascension vertigineuse se faisait dans un filet, suspendu à une poutre. Une ascension de plus d'une demi-heure pour venir à bout des 70 mètres de vide. Le père Vénédictos fait partie des 7 moines qui vivent au monastère de Varlaam. Lorsqu'il est entré ici, il n'avait que 18 ans. Je vais vous raconter une anecdote au sujet de ce filet. Au XVIIIe siècle, un despote a voulu monter au monastère. Il demanda au père de bien vouloir le hisser jusqu'en haut. Il leur posa cette question. Père, tous les combien changez-vous cette corde? Et ils répondirent le plus simplement du monde. À chaque fois que la corde se rompt par elle-même, cher despote. Alors le despote s'enfuit à toutes jambes. Cela nécessitait beaucoup de courage de monter. C'était très risqué. Mais c'est surtout la foi qu'il faut avoir chevillée au corps pour affronter cette épreuve. Et cela vaut pour un simple pèlerin comme pour un père. Aujourd'hui, ce temps-là est révolu. Désormais, seules les provisions de nourriture ont encore droit à ce traitement. Quand les pères descendaient ou montaient, ils avaient au préalable prié devant l'icône du Christ qu'on voit ici. Ainsi, ils remerciaient d'être montés sains et saufs, à l'aide de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Depuis près de 5 siècles, le rituel est immuable. Les moines se réveillent vers 4 heures du matin. Leur vie est rythmée par les 3 messes quotidiennes. Ils passent en moyenne 6 heures par jour dans cette église. Leur temps libre est consacré à la méditation, à la lecture dans la bibliothèque du couvent et au jardinage. La vie au sommet des météores est synonyme d'isolement. Les moines ont appris à vivre en autarcie. Aujourd'hui, pour s'approvisionner en eau, ils utilisent des citernes, mais il y a 30 ans à peine, ils buvaient encore l'eau de pluie stockée dans ces grands tonneaux de chêne. Aujourd'hui, la présence de l'eau nous paraît évidente sur le rocher, mais à l'époque, cela nécessitait un effort remarquable pour stocker l'eau et l'utiliser. De nos jours, nous utilisons une multitude de moyens modernes, mais cela reste fatigant de vivre ici, car on est sur un rocher, ce n'est pas un lieu plat. Le monastère de Varlaam a été construit en 1542. Tout sur ce rocher rappelle la vie passée des pères, le sacrifice et le labeur. L'église a été construite en 20 jours seulement, alors qu'il a fallu 22 ans aux moines pour acheminer les matériaux jusqu'ici. Les travaux ont duré 20 jours, parce qu'à l'époque, sous l'occupation turque, la construction de temples comme celui-ci était interdite. C'est pour cela que finalement, quand les moines ont obtenu l'autorisation de construire, et puisqu'ils avaient déjà rassemblé les matériaux, ils se sont empressés et ont essayé en très peu de temps de construire ce temple. Les fresques, peintes dans la foulée, sont en partie l'œuvre d'un des plus célèbres peintres d'icônes du XVIe siècle en Grèce, Frangos Catellanos. Son style se démarque de l'art byzantin traditionnel, plus réaliste. Il s'inspire de la peinture de la Renaissance italienne. Et comme toujours, dans la religion orthodoxe, les icônes sont en majesté sur les murs de Varlaam. Nous sommes dans le sanctuaire. Marie est représentée dans la niche, toute dorée. C'est la plus majestueuse des cieux. C'est l'une des fresques les plus belles et caractéristiques de Frangos Catellanos. Marie est représentée au centre de la niche, car elle symbolise l'unification du ciel et de la terre. Elle constitue un intermédiaire. C'est elle qui établit les demandes au ciel et répond aux souhaits des humains. J'ai déjà passé 20 ans de ma vie dans ce monastère. Vraiment, nous ne nous lassons jamais de ces fresques. Elles ont une certaine imminence. On a l'impression que les saints représentés sont toujours prêts à nous adresser la parole. Nous avons ces fresques sous les yeux tous les jours et nous n'oublions jamais de les apprécier. Retour à Athènes. C'est sous Périclès, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'Athènes va connaître son âge d'or. Périclès est l'artisan de la splendeur athénienne. C'est lui qui va favoriser la démocratie. Avec lui, la cité va changer du tout au tout. Quand il arrive au pouvoir, il crée l'Acropole, un ensemble de monuments dont le Parthénon est le plus célèbre. Parthénon signifie la demeure d'Athéna. Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, est protectrice de la cité. C'est ici qu'était conservée sa statue et les offrandes des fidèles. Le bâtiment mesurait alors 70 mètres de long sur 30 mètres de large. À l'époque, frontons et fresques étaient peints de couleurs vives. Une partie du décor sculpté du Parthénon est aujourd'hui conservée au nouveau musée de l'Acropole. Cette frise a près de 2500 ans, elle est l'œuvre du sculpteur Phidias et elle décorait entièrement le Parthénon. Alors elle raconte les grandes Panathénées. Les Panathénées, c'était la fête religieuse la plus importante d'Athènes parce qu'elle célébrait la déesse Athéna. Et Athéna, c'était la protectrice de la ville. Et tous les 4 ans, cette fête prenait un caractère exceptionnel, d'où son nom, les grandes Panathénées. C'est une fresque, vous le voyez, qui mesure 160 mètres de long. 360 personnages y sont sculptés, on y trouve des centaines d'animaux, des chevaux, des bœufs, et elle est entièrement reconstituée à la fois de blocs trouvés ici sur l'Acropole et conservés ici en Grèce, et puis des moulages qui proviennent du British Museum et du Louvre. Tout au long du cortège, on retrouve des cavaliers, des jeunes menant des animaux au sacrifice, des musiciens, des vieillards tenant des rameaux d'olivier, des dieux assis qui discutent entre eux, des porteuses d'offrandes. Tous les acteurs de la vie religieuse de l'époque sont en fait représentés. Le point culminant de cette cérémonie, c'est cette scène qui vient d'ailleurs terminer la frise et qui se déroulait le dernier jour des Panathénées. C'est la remise du Péplos. Alors le Péplos, eh bien, c'est un vêtement finement brodé qui venait recouvrir la statue de la déesse Athéna, une statue en bois. Et on voit ici sans doute un prêtre, en tout cas un personnage important à cette époque, remettre ce vêtement à une jeune fille très légèrement vêtue et à côté, vous avez Athéna assise. Vous savez que les déesses ou les dieux étaient très très grands, beaucoup plus grands que les hommes. Et pour les mettre justement à hauteur d'homme sur ces frises, eh bien, ils étaient souvent représentés assis. De jour comme de nuit, l'acropole reste le décor favori des Athéniens. Peu d'enseignes peuvent se vanter d'avoir une vue aussi imprenable que le plus vieux cinéma en plein air du pays. Il a été construit en 1935. Quand les gens m'appellent avant la projection pour me demander si le film est bon, je réponds que de toute façon, s'il ne leur plaît pas, ils peuvent toujours rêvasser en regardant l'acropole. Il est 4h30 du matin. Athènes dort encore, mais le marché central, lui, commence à s'animer. C'est ici, dans les halles d'Omania, que se croisent les commerçants et les derniers noctambules. Ils viennent effacer les stigmates d'une nuit agitée en avalant une drôle de potion magique. Le restaurant Ipyros en a fait sa spécialité. Rania Karatseni le dirige depuis une dizaine d'années. Ça, c'est la soupe de patsa qui est prête à servir. Patsa, c'est l'estomac. C'est l'estomac du bœuf. On dirait une couverture pour que ça puisse être coupé après. Ça, c'est le patsa. Le patsa vient d'être bouilli, 6 heures, 7 heures ont passé depuis. La vieille génération le mange en morceaux entiers. La jeune génération, comme ils ne connaissent pas très bien le goût, et ils veulent surtout le voir pour la première fois, ils préfèrent que ce soit de tout petits morceaux, et comme ça ils vont mieux l'avaler, plus facilement l'avaler. Το έχω καθαρίσει μόνο στο έχω αφήσει πιο χοντροκομμένο. Ενώ του παιδιού το έχω πιο ψηλοκομμένο για να μην κουραστεί πολύ. À cette heure-ci, tu peux voir des jeunes qui ont fait la fête, qui ont beaucoup bu. Parce que d'abord, la soupe des tripes et le pied du bœuf, ça fait très bon à l'estomac. Après, il fait une colle autour de l'estomac. Comme ça, après, ils vont dormir. Il ne faut pas se réveiller avec des maux de tête, des maux d'estomac. C'est comme un médicament, sans que ça soit prescrit par un pharmacien. Très vite, l'ambiance des halles gagne le reste de la ville. Seuls les monuments semblent résister à l'effervescence de la capitale grecque. La Grèce possède un des patrimoines les plus importants du monde. Ces sites archéologiques se comptent par milliers. Les Français ont joué un rôle prépondérant dans la redécouverte et la préservation de cet héritage. En 1846, ils créent l'École française d'Athènes. Elle sera une des pionnières de l'exploration archéologique en Grèce. À cette époque, les fouilles tournent bien souvent aux romans d'aventure. Tout ce début du 19e, c'est un moment d'exploration dans des conditions très difficiles. On a des témoignages de ces jeunes agrégés de lettres classiques, de jeunes philologues qui se retrouvent à dos de cheval et qui parcourent dans des régions dont la sécurité n'est pas encore assurée. C'est des régions de brigands, c'est des régions difficiles d'accès et qui, jour après jour, avec les historiens en main et les géographes, vont essayer de retrouver ces cités anciennes. Grâce aux trouvailles de ces chercheurs, une cartographie de la Grèce ancienne se dessine enfin. Les Français donnent les premiers coups de pioche sur les différents sites qu'ils ont localisés, le plus emblématique, Delphes. Lors des fouilles de Delphes, grâce à un petit chemin de fer, des centaines d'ouvriers dégagent des milliers de mètres cubes de pierre et de terre. Année après année, les différentes terrasses du sanctuaire d'Apollon réapparaissent. Des statues refont surface. Celle d'Antinoüs. Ou celle de Platon, par exemple. On n'imaginait pas, évidemment, que sous la terre pouvait se trouver encore en place une statue comme l'Aurige, qui est tout à fait improbable. On n'imaginait pas que des morceaux des frontons du temple ou des frises, des trésors soient encore accessibles. Et tout ça, évidemment, ça a créé un choc considérable. Hein. Quand on examine l'histoire de l'archéologie, on voit qu'entre 1860 et 1914, c'est tous les grands sites de Grèce qui sont explorés à grande échelle. Quand arrive la Première Guerre mondiale, la Grèce a retrouvé une part importante de son patrimoine. C'est justement à Delphes que je vous emmène à présent. Delphes, son théâtre, son stade, ses temples et ses trésors. Autant de vestiges qui témoigne de la richesse artistique et architecturale de ce site. Delphes a toujours suscité beaucoup d'intérêt chez les archéologues et les historiens. Les Grecs en avaient fait une des pierres angulaires de leur civilisation. En effet, pour eux, Delphes était le centre, le nombril du monde. Il y a d'ailleurs à ce sujet beaucoup de légendes, et la plus communément partagée est celle qui met en scène Zeus. À l'époque, les Grecs pensaient que la Terre était plate et ronde, et pour en déterminer son centre, eh bien Zeus aurait envoyé à ses deux extrémités opposées deux aigles, et c'est la rencontre de leur trajectoire qui se serait faite ici, à Delphes, et qui aurait donné l'image de ce centre et de ce nombril du monde. Delphes était une place extrêmement fortunée et elle devait cette fortune à l'activité d'un sanctuaire, dédié à Apollon qui est un peu plus haut. Dans l'Antiquité, le sanctuaire d'Apollon attire d'immenses foules. De toute la Grèce, on vient interroger son oracle. La prophétie s'exprime à travers la bouche d'une femme, la Pythie. Montée sur un trépied, elle entre en transe sous l'effet d'un breuvage sacré et d'émanations toxiques. C'est ici, près du sanctuaire, que j'ai rendez-vous avec la philosophe Elietta Bekassis. En tant qu'écrivain et philosophe, que vous inspire ce personnage de la Pythie? Ce personnage de la Pythie me fascine parce que la société grecque était une société où vraiment les femmes étaient dans un rôle de minorité. Elles étaient soumises à leur mari, leur père, leur frère. Elles ne pouvaient même pas sortir seules, il fallait qu'elles soient accompagnées. Donc là, tout d'un coup, tout le monde vient pour écouter la parole d'une femme. Et elle est respectée et elle est entendue. Et c'est elle qui exprime la parole du dieu d'Apollon. Donc on lui redonne religieusement le rôle qu'elle n'a pas politiquement. Et ce rôle est essentiel puisque les politiques viennent entendre la parole de la Pythie pour prendre des décisions de guerre, des décisions sur la cité, ou alors aussi les familles viennent pour entendre des décisions sur leur vie quotidienne. Même les philosophes écoutaient avec attention les prédictions de cette prêtresse. Dans une de ses œuvres, Platon raconte d'ailleurs que l'oracle a été consulté au sujet de Socrate. La Pythie aurait répondu qu'il n'y avait pas d'homme plus sage, plus juste, plus sensé que lui. Socrate, Platon, qu'est-ce qu'ils ont de moderne aujourd'hui? Socrate et Platon nous ont montré l'importance du dialogue. Platon a écrit la plupart de ses textes sous forme de dialogue. Pour lui, c'était par l'échange avec l'autre et aussi par l'ironie. Socrate était le maître de l'ironie. Alors l'ironie socratique, c'est le fait de faire semblant d'adopter le point de vue de son interlocuteur pour le mettre en contradiction avec lui-même. Et c'est pour cela qu'on appelait Socrate la torpille, parce qu'il était terrible, il était tellement logique que l'autre se retrouvait sidéré devant sa méthode implacable. En fait, il a inventé sa méthode puisque sa mère était sage-femme et il disait que elle faisait accoucher les corps et lui, il voulait faire accoucher les esprits. Donc la vertu du dialogue, c'est très important parce que c'est par le dialogue que l'on peut lutter contre le dogme et la vérité assénée comme quelque chose d'absolu. Le dialogue nous montre que la vérité est toujours une recherche, une quête et surtout est le fruit de la communication. La vérité vient par l'assemblée des esprits qui vont échanger entre eux. Et donc la vérité est multiple, elle est complexe, elle est toujours entre deux. Pour mieux comprendre le monde antique, il est essentiel de découvrir une région, le Péloponnèse. Direction, le canal de Corinthe. Le canal de Corinthe relie la mer Égée à la mer Ionienne. Il mesure près de 6 km de long et 25 mètres de large. La terre semble avoir été entaillée au rasoir sur une profondeur de 80 mètres. Avant que ce canal ne soit creusé, il existait dans l'Antiquité une voie pavée qui reliait les deux mers et sur laquelle on transportait les bateaux sur des chariots. Vous imaginez le travail considérable que cela a demandé. Cette voie s'appelait le Diolkos. Et puis en 67, après Jésus-Christ, Néron, l'empereur romain qui occupait la Grèce, a décidé de faire creuser ce canal. Alors les travaux ont commencé, ils se sont vite arrêtés. Ce n'est qu'au 19e siècle que des ingénieurs français ont finalisé ce projet. Aujourd'hui, ce canal, il sépare la Grèce continentale du Péloponnèse, le Péloponnèse où nous nous rendons. Le Péloponnèse, c'est l'endroit où sont nés les Jeux Olympiques. Ils ont vu le jour dans un sanctuaire qui s'appelle Olympie. Pour cet événement à la fois sportif, politique et religieux, l'ensemble de la Grèce antique était convoqué. Lorsqu'approchait la période des Jeux, des messagers, les théors, se rendaient dans la Grèce entière pour y faire proclamer la trêve sacrée. Toutes les guerres étaient alors suspendues pour que chacun puisse prendre part aux Jeux. Ici, c'est un endroit important d'Olympie parce que c'est à la fois le début et la fin des Jeux Olympiques. Le début... parce qu'à quelques mètres d'ici se dressait une statue de Zeus, le roi des dieux, devant laquelle les athlètes prêtaient serment. Et puis ici, sur ce temple, eh bien c'était l'endroit des récompenses. Et la récompense suprême, eh bien c'était la couronne, non pas de laurier, mais d'olivier sauvage, et puis un ruban rouge que l'on mettait autour de la tête du vainqueur. Et après avoir prêté serment, eh bien, les athlètes se préparaient pour aller au stade. Célèbre de nos jours pour les compétitions sportives qui s'y déroulaient, Olympie était avant tout un sanctuaire pour les anciens. Les jeux n'étaient qu'un des aspects du culte que l'on rendait à Zeus. Dans l'enceinte sacrée d'Olympie, d'imposants temples et monuments se côtoient. Tout autour, les édifices sportifs, stades, gymnases, centres d'entraînement ou lieux d'hébergement pour les athlètes. Après s'être préparé, c'est-à-dire dévêtu, enduit le corps d'huile d'olive et de sable fin pour protéger leur peau du soleil, eh bien, les athlètes se présentaient dans ce couloir qui était entièrement recouvert et accédaient directement au stade. À l'origine, la course à pied était la seule épreuve de la compétition. Mais au fil des années, d'autres spécialités vont venir se rajouter. La lutte, la boxe, le saut en longueur, le lancer de javelot ou de disque, différents types de courses à pied. On y pratique même des courses hippiques. Ce stade pouvait accueillir 40 000 personnes, uniquement des hommes. Les femmes étaient interdites car les athlètes se présentaient nus ici dans ce stade. Ces jeux ont eu lieu ici pendant plus de 1000 ans. C'est très émouvant de se retrouver au centre de cette piste. Ils ont été interdits en 393 après Jésus-Christ par un empereur romain, Théodose, et en 1896, eh bien, c'est un Français, Pierre de Coubertin, qui va les faire renaître. Les Jeux olympiques terminés, les querelles entre cités reprenaient de plus belle. Pendant des siècles, le Péloponnèse sera le théâtre de combats légendaires. La cité qui va symboliser ces affrontements, c'est Sparte. Sa victoire sur Athènes lors des guerres du Péloponnèse fera de Sparte une des cités les plus puissantes de la Grèce antique. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de la ville antique, tout juste les ruines d'une acropole et de son théâtre ancien. Et pour cause. Les Spartiates n'attachaient pas la même importance peut-être que les Athéniens aux monuments. Leurs bâtiments étaient construits au-dessus d'un soubassement en briques et il y avait très peu de marbre. Donc en fait, ils ne faisaient pas de grandes dépenses pour leurs bâtiments. Ce qui est vrai pour l'architecture est aussi vrai pour la mentalité des Spartiates dans tous les domaines. On n'a pas vraiment à Sparte ni d'écrivains, ni de poètes, ni d'écrivains tragiques, ni d'écrivains comiques, pas d'acteurs. Il n'y a pas d'historien qui a écrit l'histoire de Sparte, on ne la connaît que par des Athéniens en fait. À cette époque, l'historien Thucydide a d'ailleurs une prémonition à propos de Sparte. Si un jour, dit-il, la ville était dévastée et que n'en restaient que les fondations, la postérité aurait peine à croire que sa puissance ait répondu à sa renommée. La région de Sparte s'appelle la Laconie. Tout ce qui est laconique ou spartiate, en fait, est très dépouillé et réduit à l'essentiel. Quand on demande à un spartiate il y a combien d'ennemis, le spartiate répond on ne demande pas il y a combien d'ennemis, on demande où est l'ennemi. Et ce sont toujours ces phrases très brèves qui caractérisent le style laconique. À Sparte, on va droit au but, on va droit à l'ennemi. Celui qui incarne le mieux à travers les siècles la force, le courage et l'héroïsme de cette ville, c'est le roi Léonidas. Il est rendu célèbre pour son combat jusqu'à la mort contre les Perses. Dans la Sparte antique, Le citoyen idéal est forcément un guerrier, tout y contribue, rien n'est laissé au hasard. Les femmes qui doivent donner naissance aux futurs combattants sont sélectionnées. Selon la légende, un conseil d'anciens décide du sort des enfants. Les plus fragiles seront abandonnés devant ce gouffre glacial en pleine montagne. En revanche, ceux qui sont jugés aptes au combat seront élevés à la dure. Sélectionnés dès l'âge de 7 ans, ces jeunes guerriers seront soumis à une discipline rigide et un entraînement intensif. Les jeunes Spartiates étaient pratiquement livrés à eux-mêmes, n'avaient pas de vêtements, avaient uniquement un manteau, devaient se laver dans l'Eurotas ou dans d'autres rivières, n'avaient pour lit que les joncs ou les roseaux qu'ils pouvaient arracher de leurs propres mains. Et tout ça était lié, bien sûr, pendant la journée à des activités de course, d'entraînement au combat, qui parfois étaient très violents. Il y avait au centre de la rivière une île, et à l'âge de l'adolescence, vers 13-14 ans, les jeunes Spartiates se réunissaient en deux équipes, accédaient à l'île par les deux ponts, se rangeaient de façon pratiquement militaire en deux phalanges, en fait sur deux rangs, les uns face aux autres, et le but du jeu c'était de pousser l'autre équipe à l'eau. Alors, quand je parle de jeu, c'était un jeu assez violent parce que tous les coups étaient permis, les coups de poing, les coups de pied, le genou, le coude, et aussi on avait le droit de mordre et bien sûr d'arracher les yeux. Sparte a surtout marqué l'histoire par son modèle politique et social particulier. À la tête de la cité, un petit nombre de citoyens surnommés les égaux. Ce sont des guerriers qui vivent en communauté et détiennent le pouvoir. Ils ont à leur service les ilotes, des esclaves dépourvus de tout droit civique. Sparte a été le modèle d'une aristocratie ou d'une oligarchie. Oligarchie voulant dire un petit nombre de gens au pouvoir. Et dans toutes les cités grecques, les aristocrates et les oligarques admiraient Sparte. En revanche, Athènes a toujours été une démocratie. Avec sa politique brutale et son conservatisme, Sparte finit par faire l'unanimité contre elle en Grèce. Faute d'alliance, elle se replie sur elle-même. Il suffira d'une seule défaite face à Thèbes en 371 avant Jésus-Christ pour l'achever. Depuis les temps mythologiques, le miel coule à flot en Grèce. On en trouvait déjà au menu des festins des dieux, et plus précisément dans leurs boissons et leur nourriture sacrée, le nectar et l'ambroisie. Selon la légende, Pélops, invité sur l'Olympe, va commettre l'impardonnable. Sous l'influence de Tantale, son père, il dérobe le nectar et l'ambroisie. Les dieux sont fous de rage et bannissent Pélops. Il le renvoie sur Terre, où il donnera son nom à la péninsule du Péloponnèse. Dans ces collines qui regorgent de fleurs, l'apiculture est une tradition millénaire. Mais dans la famille Répas, elle fait son apparition à la fin du XVIIIe siècle. Des générations d'apiculteurs imprégnés des légendes du Péloponnèse. J'ai choisi d'appeler notre miel nectar et ambroisie, car le nectar est la matière première qu'utilise l'abeille pour confectionner le miel. Et l'ambroisie, la nourriture des dieux dans la mythologie, serait en fait la gelée royale et le pollen. Depuis l'Antiquité, le nectar et l'ambroisie sont considérés comme des élixirs. Selon la mythologie grecque, le miel et la gelée royale offriraient l'immortalité. Le miel était réputé aussi pour favoriser les passions amoureuses. La légende raconte qu'Eros, le dieu de l'amour, tremper ses flèches dans ce nectar avant de viser ses cibles. L'histoire de l'apiculture est très ancienne ici dans le Péloponnèse. Les anciens avaient une connaissance approfondie de l'apiculture. Ils avaient découvert la valeur nutritionnelle du miel et de ses dérivés. Et cela n'avait d'ailleurs pas échappé au père de la médecine, Hippocrate, qui dès le 5e siècle avant Jésus-Christ recommandait la consommation de miel à tous ses patients. Ce sera ensuite au tour du philosophe Aristote de se pencher sur le cas de l'abeille. Fasciné par la vie en société dans les ruches, il nourrira ainsi sa pensée politique. Nous prenons à présent la direction des îles grecques, et plus particulièrement des Cyclades. Il n'est pas un lieu, pas un rocher des Cyclades, auquel les légendes ne se soient accrochées. La mythologie raconte que c'est Poséidon qui, d'un coup de trident, aurait fait surgir les Cyclades de l'écume. Nous mettons le cap sur celle que les anciens ont appelée la plus belle, l'île de Santorin. Le village de Ia est niché au sommet de l'île. Il est connu pour ses demeures troglodytes suspendues dans le vide. Ses églises aux dômes colorés. Le soir, il est le théâtre d'un spectacle naturel grandiose. Sans coucher de soleil. Dans la Grèce antique, Santorin n'avait pas le visage qu'elle a aujourd'hui. Il y a près de 3500 ans, Santorin était alors une grande île circulaire dominée par un volcan. Après plusieurs tremblements de terre, elle est frappée par un immense cataclysme. Des éruptions volcaniques d'une violence inouïe s'abattent sur l'île. Le cratère du volcan s'enfonce dans les eaux et provoque un gigantesque raz-de-marée. Il aurait enseveli l'une des plus brillantes civilisations de l'époque. Depuis, un mythe est rattaché à cet endroit. C'est celui de l'Atlantide. À la fin de sa vie, 3 siècles et demi avant notre ère, le philosophe Platon a écrit un texte. Et dans ce texte, il raconte l'histoire du royaume des Atlantes, un royaume qui se situe sur l'île de l'Atlantide, une île entièrement ravagée par les flots à cause de ses gouvernants qui avaient sombré dans la corruption et l'orgueil. Alors pour quelques chercheurs et surtout pour des écrivains qui ont beaucoup d'imagination, eh bien, ils voient une certaine similitude entre cette histoire racontée par Platon et ce site. Et ils pensent que l'Atlantide, à condition qu'elle ait existé, pourrait se trouver ici, dans cette caldeira. On voit bien que lorsqu'on raconte l'histoire de la Grèce antique, on navigue toujours entre mythe et réalité. Sur l'île de Santorin, il y a un lieu que je voudrais vous faire découvrir. C'est le site d'Acrotiri. Depuis près d'un demi-siècle, des chercheurs tentent de démontrer que la disparition de cette civilisation est directement liée à l'éruption du volcan de Santorin. Parmi eux, l'archéologue Christos Doumas, avec qui nous avons rendez-vous. Ce que l'on voit ici est visible partout sur les côtes de Santorin. C'est une matière aujourd'hui érodée, issue de l'éruption volcanique. C'est cette matière qui a entièrement recouvert l'île et qui a permis aux archéologues de retrouver le site aussi bien préservé. On doit la découverte des premiers vestiges de l'île à l'ouverture d'une carrière. Acrotiri a été retrouvé dans un parfait état de conservation, ce qui lui a valu le surnom de Pompéi de la mer Égée. Les fouilles ont permis de mettre au jour des rues pavées, des places, des maisons entières qui datent du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les habitations privées qu'on a étudiées dépassent les 200 mètres carrés chacune, naturellement distribuées sur 2 ou 3 niveaux. Il s'agit là de très grandes maisons. Ce sont de véritables hôtels particuliers. Au rez-de-chaussée se trouvaient les ateliers. À l'étage, les logements. Les fouilles révèlent donc une cité florissante. Son urbanisme évolué laisse à penser qu'elle était à son apogée lorsqu'elle fut abandonnée puis ensevelie. Comme l'île est très petite, cette richesse ne pouvait pas lui venir de l'agriculture. Alors on suppose qu'elle est le produit de la navigation et du commerce. De plus, on dispose de preuves pour démontrer cette thèse, telles que des récipients retrouvés sur Acrotiri qui proviennent de Syrie, de Palestine et même d'Égypte. La plupart des maisons étaient décorées de fresques, certaines représentant des paysages et des animaux exotiques, comme des singes ou des antilopes. Elles témoignent d'une civilisation ouverte sur le monde. Celle-ci représente la cueillette du safran. Des femmes sont en train de ramasser des fleurs de crocus qui, une fois séchées, donneront le fameux or rouge. La représentation de cette épice, chère et raffinée, n'est pas anodine. Elle illustrerait la richesse de ce peuple antique. Ce qu'il advint des habitants d'Acrotiri est un mystère. Dans les fouilles, aucun reste humain n'a été retrouvé, laissant penser qu'ils auraient eu le temps de s'enfuir avant le désastre final. Le volcan n'a jamais cessé de menacer Santorin. Au cours du XXe siècle, 3 éruptions ont touché l'archipel. Le dernier grand séisme est survenu en 1956, provoquant d'importants dégâts. Du fait de son origine volcanique, la seule culture implantée de longue date sur l'île, c'est la vigne. Les vins de Santorin sont d'ailleurs renommés pour leur qualité et leur variété. Paris Sigalas est l'un des vignerons les plus réputés de l'île. À Santorin, comme il pleut très peu, s'il n'y avait pas cette pierre, rien ne pousserait. Même pas de vigne, aucune plante, rien. Cette pierre conserve l'humidité. Et comme elle se trouve dans les couches les plus profondes du terrain, en été, elle retient l'eau. Et comme ça, la vigne est bien irriguée. Voilà pourquoi les feuilles de la vigne sont vertes. On voit qu'elles ne souffrent pas malgré la saison. Pourtant, elles viennent de traverser une longue période de sécheresse. Les conditions climatiques de l'île ont conduit les viticulteurs à inventer au fil des siècles et des générations des techniques spécifiques. Alors vous voyez ici, les branches anciennes sont entrelacées et forment une corbeille. Plus elle est haute, plus elle est exposée au vent. Pour contrer ça, la vigne doit être maintenue basse. En plus, on doit attacher les branches ensemble, de manière à ce que les feuilles s'ouvrent toutes en même temps. Du coup, très vite, elles forment une paroi qui protège les grappes. Et c'est comme ça que depuis l'Antiquité, ce vignoble est toujours exploité. Et c'est d'ailleurs, je crois, le seul endroit au monde où il existe un dieu voué spécialement au vin, Dionysos. Car le vin fait partie intégrante de l'esprit grec. La légende raconte que Dionysos était le seul à pouvoir boire le vin pur. Les hommes, eux, devaient se garder de tomber dans la démesure. Ils avaient coutume de le mêler à l'eau. Sa consommation était réservée aux banquets. Je vous emmène à présent en Crète. Cette île a connu elle aussi une civilisation exceptionnelle, la civilisation minoenne. Certains historiens pensent qu'il pourrait s'agir du même peuple qu'à Santorin. La Crète occupe une place unique dans la mythologie grecque. Zeus, mais aussi Minos, Ariane, Dédale et Thésée sont quelques-uns des grands noms liés à ce petit bout de terre situé au carrefour de l'Orient, de l'Occident et de l'Afrique. Nous arrivons à Knossos. Le palais de Knossos est le lieu le plus évocateur de la civilisation minoenne. En 1900, le site est acheté par un archéologue britannique, Arthur Evans. Il entame alors des recherches de grande envergure. C'est un ensemble de 30 000 mètres carrés qui est mis au jour. Au vu de ces trouvailles, il conclut qu'il vient de découvrir une civilisation jusque-là inconnue, dont Knossos était la capitale au cours du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. La forme et la taille du palais, ainsi que les motifs de taureaux découverts sur place, rappellent à Evans un mythe, celui du Minotaure. Selon la légende, le roi Minos aurait accédé au pouvoir avec l'aide de Poséidon. Et en récompense, Poséidon demande à Minos de lui sacrifier un très beau taureau. Mais devant la beauté de la bête, Minos désobéit et Poséidon rentre alors dans une rage folle et pour se venger va faire en sorte que le taureau séduise l'épouse de Minos. De cette union coupable va naître le Minotaure. Le Minotaure, c'est ce monstre avec un corps d'homme et une tête de taureau. Et Minos va faire enfermer ce Minotaure dans ce palais qui est un véritable labyrinthe construit par l'architecte Dédale. Le Minotaure se nourrit de chairs fraîches qui sont d'ailleurs fournies par le roi Minos. Et pour arrêter ce sacrifice, on envoie Thésée. Thésée arrive ici, pénètre dans le labyrinthe, tue le monstre et pour pouvoir retrouver sa route et retrouver son chemin, il utilise le fameux fil d'Ariane, Ariane qui n'est autre que la fille du roi Minos. Persuadé d'avoir affaire à la civilisation correspondant au roi légendaire Minos, Evans bâtit cette civilisation minoenne. Les différentes ailes du palais étaient certainement groupées autour d'une cour centrale sur laquelle donnaient des quartiers principaux. Knossos comptait plus de 1000 salles, des appartements, des pièces de service, de nombreux entrepôts et des salles de réception. Les pièces paraissent juxtaposées sans plan apparent. Des couloirs les relient les unes aux autres à la manière d'un labyrinthe. La pièce la plus emblématique de ce palais, c'est sans doute celle-ci, c'est la salle du trône. C'est là que se tenait le légendaire roi Minos avec ses conseillers. Et le trône, le voici, c'est l'original. Il est entouré par deux griffons. Les griffons, ce sont ces monstres avec des corps de lion et des têtes d'aigle. Et c'est sans doute le trône le plus ancien d'Europe. Pour la petite anecdote, une copie de ce trône a été offerte au tribunal international de La Haye. Vous savez que le roi Minos était considéré comme un grand législateur. Alors cette pièce, eh bien, elle est interdite au public. Elle a été reconstituée à quelques pas d'ici pour préserver l'endroit. Les fouilles ont également dévoilé de magnifiques fresques. Elles sont le plus ancien témoignage de peinture en Grèce. Ces fresques rappellent celles découvertes à Santorin. La ressemblance est frappante. Elle renforce l'idée que nous avons affaire à la même civilisation sur les deux îles. Evans les a reconstituées en complétant par des dessins les fragments retrouvés lors des recherches. De nombreuses peintures murales mettent en scène des paysages et des animaux. La fresque des dauphins est caractéristique du quartier de la Reine. Elles dévoilent aussi de précieuses informations sur la place des femmes dans la civilisation minoenne. Elles y jouaient en effet un rôle prépondérant. On les voit notamment participer aux jeux athlétiques, mais aussi aux grandes fêtes publiques. Leurs seins sont dénudés, symbole de fertilité. Les fresques sont des éléments très caractéristiques de l'art minoen. Ce palais en possédait beaucoup. Elles ont toutes été déposées pour être conservées au musée d'Héraclion. Il y a là une représentation très intéressante. On y voit un taureau avec des acrobates. Vous savez qu'à cette époque, on vouait un culte considérable au taureau. Il était le symbole de la force et le vaincre était un signe de puissance. Alors on voit ici des acrobates saisir les cornes, passer au-dessus de la bête. Cela nous rappelle tout de même des scènes que l'on voit encore aujourd'hui lors de fêtes taurines dans le sud de la France ou autour de la Méditerranée, et cela 4000 ans après. De la pratique de la peinture au jeu de tauromachie, en passant par le théâtre, la vie artistique minoenne atteste un niveau culturel élevé. Nous avons rendez-vous sur le site avec Laura Dialina. Elle connaît très bien le palais de Knossos. Pour elle, les constructions témoignent d'une vie confortable et particulièrement évoluée. À l'époque minoenne, on a les puits de lumière et grâce à ces puits de lumière, les appartements qui se trouvaient en bas étaient bien aérés et éclairés. Mais vous savez, si on a l'air et le soleil qui passent, il y a autre chose, c'est la pluie. On parle déjà des canalisations pour les eaux de la pluie. Et pas seulement ça, il y a des conduites d'eau pour l'eau potable. On parle déjà de fameuses toilettes de la reine avec des chasses d'eau, des baignoires. Tout ça, ça fait déjà 4000 ans. Les Minoens avaient surtout imaginé des constructions pour résister au séisme. Les colonnes et les poutres sont en bois, afin de donner de la flexibilité au bâtiment. Dans les magasins du palais, Evans a retrouvé d'immenses jarres de terre cuite. Elles servaient à stocker de l'huile d'olive ou des céréales en grande quantité. Les Minoens formaient alors une puissance économique fondée sur le commerce. Aujourd'hui, les avis divergent sur la disparition de la civilisation minoenne. Pour les uns, c'est le fait de la nature et de ses caprices. Pour les autres, elle est due à la violence des hommes, car de tout temps, la Crète a été en proie aux invasions. À moins d'une dizaine de kilomètres de Knossos, Héraclion. Il y a dans cette ville un bâtiment construit par les Vénitiens qui illustre parfaitement les différentes occupations qu'a subies la Crète. La forteresse qui abrite l'entrée du port d'Héraclion, la capitale actuelle de la Crète, s'appelle la forteresse de Koulès. Koulès, c'est un mot d'origine turque qui veut dire tout simplement forteresse. Et en érigeant celle-ci, les Vénitiens vont mettre leur empreinte. En effet, quand les voyageurs arrivaient dans ce port, ils étaient accueillis par l'emblème même de la République de Venise, le lion de Saint-Marc. C'est un lion qui a traversé les siècles, puisqu'en 1669, les Ottomans prennent la ville. Et le lion est toujours là. La Crète sera tour à tour byzantine, arabe, puis vénitienne à partir du XIIIe siècle. La Sérénissime occupera l'île pendant plus de 400 ans. Cette présence vénitienne sur l'île va permettre à celle qu'on appelle alors Candie de connaître une brillante renaissance culturelle. L'un des peintres les plus talentueux de sa génération fréquente son école d'art. Il s'agit de Dominikos Theodokopoulos, surnommé El Greco. El Greco est l'enfant du pays. Il naît ici, à Héraclion, en 1541. À l'âge de 25 ans, il profite des échanges avec l'Italie pour rejoindre Venise, où il étudiera dans l'atelier du Titien. Mais c'est auprès du Tintoret qu'El Greco puisera son inspiration. Il ira ensuite à Tolède, en Espagne, où son art atteindra son apogée. C'est dans ce pays qu'il sera appelé El Greco. À présent à l'ouest de l'île, à Lacanée. Car si Héraclion témoigne de l'héritage vénitien de la Crète, la ville de Lacanée garde quant à elle les traces de l'occupation ottomane. Les Turcs vont s'emparer de l'île au terme d'un siège sanglant qui durera plus de 20 ans. Sans doute le plus long de l'histoire. À partir du XVIIe siècle, de nouveaux codes architecturaux seront alors mis en place dans la cité. En 1645, quand les Turcs sont arrivés, ils ont transformé le monastère catholique en mosquée. C'était la mosquée centrale de la ville, appelée Oukart Sami, la mosquée du notable. Ils y ont ajouté ce minaret, qui est un élément caractéristique de l'architecture musulmane. La mosquée des Janissaires est un des rares autres vestiges de cette architecture islamique. Son minaret, lui, n'a pas survécu. Quand les Turcs sont arrivés en Crète, ils ont emmené avec eux leur façon de vivre. Ils ont construit des hammams, dont 3 ou 4 subsistent encore dans la ville. Et même si les années sont passées, on trouve encore aujourd'hui des éléments architecturaux de type ottoman, comme les balcons fermés en bois. Ces balcons étaient utiles puisqu'ils agrandissaient de façon significative la superficie de la maison, et les Ottomans avaient besoin de plus d'espace pour y installer leur harem et pour satisfaire aux exigences de leur mode de vie. En réalité, les deux populations parlaient la même langue, partageaient les mêmes coutumes, les mêmes danses, les mêmes chansons, les mêmes vêtements. La seule différence était la couleur des couvre-chefs, noir pour les chrétiens et blanc ou coloré pour les Ottomans. À travers les siècles, des hommes à la tête de groupes armés vont s'opposer à ces différentes invasions. Ce sont les palikarias. Nikolaos Copazis a perpétué cet esprit d'insoumission. Il nous reçoit chez lui. L'homme qui va accomplir un acte héroïque, qu'il soit jeune ou plus âgé, à partir du moment où il accomplit un acte héroïque, on l'appelle un palikari. Les palikarias ont la révolte chevillée au corps. La dernière fois que Nikolaos Copazis a fait acte de rébellion, c'était lors de la Seconde Guerre mondiale. Des souvenirs encore très présents chez lui. Eux, ils faisaient partie de la résistance. Sous l'occupation, plus rien d'autre ne comptait. Ni crainte, ni fatigue, rien. On se levait pour lutter, pour se libérer, c'était ça le but. On allait se libérer ou mourir. La liberté ou la mort. La Crète acquiert son autonomie en 1898. 15 ans plus tard, elle sera officiellement rattachée à l'État grec. Aujourd'hui, ce passé multiculturel fait partie intégrante de la vie en Crète. On le retrouve dans les cafés nios. C'est dans ces petits cafés que les hommes viennent à toute heure pour bavarder ou jouer au tavli, une sorte de backgammon qui remonte à l'Antiquité. Dans ces établissements, on sert aujourd'hui encore le café selon la tradition ottomane. Un rituel indissociable de celui du Komboloi. Ce collier de perles est inspiré du chapelet musulman. À force de le voir entre les mains des Turcs pendant l'occupation, les Grecs se le sont approprié. Dans l'atelier du musée du Komboloi, on fabrique des copies fidèles aux anciens modèles. Le Komboloi symbolise la liberté récupérée par les Grecs après l'occupation turque. Lorsque l'occupation turque a pris fin, peu à peu, les Grecs se sont mis à modifier cet objet, à en changer la philosophie, la culture. Cela a cessé d'être quelque chose en rapport avec la prière. Comme vous voyez, les perles peuvent bouger librement le long du Komboloi et ceci symbolise cette liberté retrouvée. En près de 2 siècles, le Komboloi est devenu un objet de loisir qui occupe les mains pour mieux permettre à l'esprit de divaguer. Le Komboloi, à l'origine, était un objet appartenant à des couches peu éduquées de la société. Aujourd'hui, il ne se rattache plus à une ville précise ou à une classe sociale en particulier. Tous les Grecs se sont appropriés le Komboloi. Nous poursuivons notre voyage vers l'île de Tinos. Tinos, la 3e plus grande île des Cyclades. Durant la période d'occupation vénitienne, les habitants de l'île se sont initiés à l'élevage des pigeons. Appréciés pour leur chair, ils étaient surtout de précieux messagers. Aujourd'hui, Tinos compte encore des centaines de pigeonniers, de véritables chefs-d'œuvre de raffinement. Si certains d'entre eux servent encore de refuge aux pigeons, beaucoup sont en cours de transformation. Thierry Véron est français. Lorsqu'il s'est installé sur l'île, il a été séduit par leur architecture atypique. Il a donc décidé de restaurer un de ses pigeonniers. La décoration des pigeonniers emprunte des thèmes assez éternels, comme le thème de la roue, hein, ou de la rosace, qui veut dire l'éternité, ou le thème du triangle isocèle avec la pointe en haut, qui signifie la communication entre la terre et le ciel. Tout cela forme un langage symbolique qu'on retrouve sur les pigeonniers. Avoir sur ces terres un pigeonnier était à l'époque un privilège, un signe de prospérité. En fait, les Vénitiens vont importer les signes de l'Occident et un des signes qui est attaché à la noblesse, c'est la possession d'un pigeonnier. Comme la possession d'une girouette, comme le droit de porter l'épée, comme divers signes qui signifient en fait la noblesse. Hein. Et à Tinos, ça se traduit tout particulièrement par la construction de pigeonniers. Les pigeonniers étaient bâtis sur plusieurs niveaux. L'étage inférieur abritait les produits et le matériel agricole. Ils pouvaient même servir d'habitation. Les étages supérieurs, quant à eux, étaient le refuge des pigeons. Aujourd'hui, c'est devenu la résidence d'été de Thierry. Ici, c'est ma chambre. Et en fait, c'est l'ancien domaine des oiseaux. Alors, les oiseaux rentraient par ces fenêtres, hein, que l'on a aménagées en face des triangles et qui ne se voient pas de l'extérieur. Ils rentraient également par la ligne de trou supérieure qui est située au-dessous de ces fenêtres. Et leurs nids étaient dans les trous qui sont ici en face de moi. Ces pigeonniers ne sont pas la seule particularité de Tinos. L'île doit également sa réputation à ses carrières de marbre. Il y a une petite ville où l'on travaille toujours ce matériau noble. Il s'agit de Pyrgos. On y trouve de nombreux ateliers de sculpture et une école des beaux-arts spécialisée dans la taille de la pierre. Dans ce village, le marbre est présent partout. Des escaliers, aux encadrements de portes. Les premières carrières de Tinos datent de l'Antiquité. On retrouve aujourd'hui son marbre dans les palais européens les plus prestigieux. Cette île abrite aussi plusieurs centaines d'églises et de chapelles. Les différentes occupations qui ont marqué l'histoire de la Grèce n'ont pas altéré sa foi en la religion orthodoxe. Tinos est considérée par les Grecs comme une île sainte. Elle abrite en effet un très grand pèlerinage. Elle est aux orthodoxes ce que Lourdes est aux catholiques. Et c'est ici qu'a lieu ce pèlerinage, dans cette église Notre-Dame, une église qui, vous le voyez, domine la ville et semble la protéger. Des pèlerins orthodoxes de tout le pays, mais aussi des Balkans, convergent en permanence vers Tinos. Une fois arrivés sur l'île, certains d'entre eux, comme Olga, choisissent de faire le chemin à genoux pour montrer leur ferveur envers la Vierge Marie. Olga fait ce pèlerinage depuis une dizaine d'années. C'est une décision que j'ai prise subitement à un moment difficile. Je me suis dit, Sainte Vierge, viens à mon aide pour que nous allions bien. Et moi, je ferai chaque année le pèlerinage à genoux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je pars du port et je vais jusqu'à l'intérieur où se trouve l'icône. C'est à cet emplacement, en effet, qu'une icône de la Vierge est découverte au XIXe siècle. Intacte après 850 années passées sous terre, l'icône est aujourd'hui exposée sous un dais de marbre. Elle aurait des vertus miraculeuses. Ce qui m'est arrivé, c'est trois choses. D'abord, j'ai failli perdre la vie lors de mon accouchement. J'ai failli perdre mon enfant aussi. Et mon mari, lui, a eu un accident de la route. Alors, je viens ici chaque année pour remercier la Vierge de nous avoir aidés. Parce que dans ces moments difficiles, bien des fois, je disais, « Viens à mon aide, viens à mon aide ». Et maintenant, nous allons très bien tous les trois. On trouve à l'intérieur de cette église un nombre considérable d'ex-voto. Autant de vœux ou de remerciements déposés par les pèlerins. Parmi eux, un navire en métal précieux. La légende raconte qu'un bateau qui traversait la mer Méditerranée a été pris dans une tempête. Les marins ont découvert en arrivant au port qu'un énorme poisson s'était logé dans un trou, leur sauvant la vie. Un autre ex-voto en dit long sur la ferveur des fidèles de cette église. Il représente un très bel oranger. Il y a eu un miracle vraiment surprenant ici, à Notre-Dame-de-Grâce. Ce fut la guérison d'un Américain aveugle. Il avait supplié la Vierge de lui montrer la lumière, depuis chez lui, aux États-Unis. Et il lui a promis que la première chose qu'il verrait, il lui en offrirait une réplique en argent. C'est alors qu'il a senti un éclair intense devant ses yeux et qu'il a vu un oranger fleuri planté dans son jardin. Vous voyez là-bas, c'est son ex-voto. Sous l'église, la crypte où fut trouvée l'icône a été aménagée pour les baptêmes. Le pèlerinage de Tinos atteint son apogée le 25 mars, jour de l'Annonciation, et le 15 août, jour de l'Assomption. Les icônes occupent une place privilégiée dans la religion orthodoxe. Les Grecs vouent un culte tout particulier à leur saint. Parmi eux, Saint Constantin, l'empereur romain qui a imposé le christianisme à l'Occident, et Sainte Hélène, sa mère. Chaque année, ils sont célébrés à l'occasion d'un rituel inattendu dans le petit village de Langada, au nord de la Grèce continentale. C'est le rituel des Anasténars. Cette cérémonie est née d'une légende qui se serait déroulée en Bulgarie. Elle raconte qu'un feu aurait surgi dans l'église du village où se trouvaient les icônes de Saint Constantin et Sainte Hélène. Les villageois seraient alors intervenus pour sauver les icônes. Pour cela, les saints les auraient aidés à marcher sur le feu. Les villageois en seraient ressortis sains et saufs, sans la moindre brûlure. Les habitants de Langada sont pour la plupart leurs descendants directs. Yorgos est l'un d'entre eux. Avec les autres Anasténars, il danse inlassablement au son des tambours et des cornemuses. Quand j'étais encore enfant, vers 10-12 ans, à l'époque, la coutume était gardée secrète. La nuit, j'entendais le daouli, ce petit tambour, et la lyre. À l'époque, les gens maintenaient la coutume secrète car étant dans une nouvelle patrie, ils avaient peur de la réaction des gens du coin. Mais moi, je me sentais comme appelé, soumis à une pulsion intérieure, à une force qui me disait toujours « vas-y ». Et c'est effectivement comme ça que ça s'est passé. Petit, je suis parti de chez moi en pleine nuit pour assister pour la première fois à la coutume des Anasténars. Et depuis, encore aujourd'hui, je reste un fidèle admirateur de cette coutume, qui m'est vraiment très chère. Les Anasténars entrent ainsi dans une sorte de transe qui les conduira plus tard à marcher sur des charbons ardents. C'est le point culminant de la cérémonie, la plus haute forme de vénération des saints. À la nuit tombée, le bûcher est allumé. Les Anasténars sont guidés par les chefs spirituels. Ce sont eux qui expriment la volonté des saints et décident à quel moment on doit marcher sur les braises. Le feu est sacré pour nous. On le bénit, on l'apprivoise. Et ensuite, avec l'aide des icônes, on traverse le feu. On marche sur le feu et on en ressort intact. Au moment précis où l'on marche sur le feu, tout le monde prononce le vœu qu'il tombe en cendres, qu'il tombe en cendres. Marcher sur les braises, c'est une action spontanée qui conduit aux frontières de l'extrême. Et ce n'est pas rien, c'est magique. Chaque année, au mois de mai, les habitants de Langada perpétuent cette tradition et rejouent la scène du mythe fondateur. À quelques kilomètres de là, la ville de Thessalonique. C'est aujourd'hui la deuxième ville de Grèce. Elle a conservé l'un des plus beaux témoignages de la période byzantine, l'église Sainte-Sophie. Elle date du 8e siècle après Jésus-Christ. Il y a ici deux inscriptions qui résument à la fois l'histoire de ce lieu et l'histoire de Thessalonique. Je vais vous les montrer. Ces deux inscriptions, les voici, ce sont deux chiffres, deux dates, 1430 et 1912. Alors la première, vous le voyez, est peinte en noir. Elle correspond à l'année de la prise de la ville par les Ottomans et à la transformation de la plupart des églises en mosquées. Ce fut d'ailleurs le cas de Sainte-Sophie. Et puis 1912, c'est une date qui est peinte en doré. Elle correspond à l'année où Sainte-Sophie a été rendue au culte chrétien et où Thessalonique a été rattachée à la Grèce. Entre ces deux dates, près de 500 ans. Alors Sainte-Sophie, c'est une église magnifique. On va la découvrir. Sainte-Sophie abrite des fresques et des mosaïques qui remontent au 9e et 10e siècle. La mosaïque la plus remarquable est sans doute celle qui orne l'intérieur de la grande coupole. Elle représente l'ascension du Christ. Un autre témoignage de cette époque byzantine est découvert à Thessalonique en 2006. Lors des travaux de construction du métro, tout un quartier datant de cette période est mis au jour. Il a la même configuration que la ville actuelle, située juste au-dessus. Sa chaussée, ses trottoirs, ses boutiques offre un rare aperçu de la vie sociale et commerciale entre le 4e et le 9e siècle après Jésus-Christ. Nous avons donc ici une rue particulièrement spacieuse, dont la largeur atteint environ 8 mètres. Le long de la rue passe une grande conduite d'égout centrale, dans laquelle se déversaient d'autres conduites plus petites, drainant l'eau des différents pâtés de maisons et des eaux pluviales. Pour la première fois à Thessalonique, les usages et la vie quotidienne sont dévoilés ici. Plusieurs textes de l'époque font référence à cette avenue, connue sous le nom de route du milieu. Ils décrivent une rue commerçante le jour, qui voit défiler la nuit des processions religieuses. Lors des fouilles, les archéologues découvrent du mercure, une trouvaille qui indique la présence d'ateliers d'orfèvrerie au temps byzantin. Aujourd'hui, 17 siècles après, ce quartier est toujours celui des bijoutiers. Les découvertes de la station Venizelos sont importantes pour l'histoire de la ville. Pour la première fois, a été révélé un paysage urbain grandiose, une ville entière en dessous de la ville, avec de très grandes rues, des espaces publics et des bâtiments rectilignes. On ne s'attendait pas, par contre, à l'étendue et à la monumentalité de cet ensemble. Pour préserver ce rare témoignage du passé, la ville a décidé de conserver ses vestiges à leur emplacement initial, quitte à retarder la construction du métro. Thessalonique est une ville au passé cosmopolite. Les siècles d'occupation ottomane y ont laissé leurs traces. C'est ici, dans le quartier d'Anapoli, que s'installent en 1922 de nombreux réfugiés à la suite des guerres gréco-turques. Près d'1 million de Grecs de Turquie sont alors chassés de l'Empire ottoman. Mais ce retour au pays se fait dans la douleur. Ils inventent alors une complainte pour chanter leur exil, le Rebetiko. Le Rebetiko est une musique qui ne cesse d'évoluer. Elle traite des problèmes du quotidien, l'amour, la séparation, la solitude. Ce groupe de rébètes s'appelle les Pliridaxis. Lefteris Tsikoridis joue de l'instrument national grec, le bouzouki. C'est le leader du groupe. Le Rebetiko est un peu le blues des Grecs. Ça n'a pas la même structure musicale, mais on retrouve les mêmes peines. On retrouve la même volonté d'exprimer les sentiments, de donner une image claire des tracas du quotidien. Dans les années 30, le Rebetiko abordait d'autres thèmes plus sombres, comme la drogue, l'alcool, l'errance et la misère, au point d'être interdit par la dictature au pouvoir à l'époque. Cette musique continue de représenter une voix contestataire qui influence constamment et principalement les jeunes. La complainte du Rebetiko a une résonance particulière dans la Grèce d'aujourd'hui, un pays frappé cruellement par la crise. Les emprunts, c'est un morceau qu'on a écrit avec le groupe et qui parle de la situation que l'on est en train de vivre aujourd'hui en Grèce. La chanson illustre le désespoir de beaucoup de citoyens grecs par rapport à la situation dans laquelle ils vivent quotidiennement. Le désespoir. Retour à Athènes. La musique a toujours été un des arts majeurs de la Grèce antique. C'est elle qui rythmait la vie sociale et religieuse de la cité. Les dieux eux-mêmes étaient des musiciens. Quand Apollon joue de sa lyre, les autres dieux de l'Olympe retiennent leur souffle. Mais le mythe fondateur de la musique, c'est sans doute celui d'Orphée. Lorsque ce musicien chante, personne ne peut lui résister, à commencer par son épouse, Eurydice. Lorsqu'elle meurt, Orphée réussit à convaincre le dieu des enfers de lui rendre la vie grâce au seul pouvoir de la musique. De nos jours, c'est le chant sacré qui fait vibrer le cœur des Grecs. la musique byzantine. Inventée au IVe siècle au moment de la christianisation de l'Empire byzantin, elle est restée inséparable du culte dominant en Grèce, la religion orthodoxe. Les catholiques, en leur chant grégorien, les orthodoxes, eux, en leur chant byzantin. Konstantinos Politis enseigne cette musique traditionnelle. L'art du chant de psaume, l'art byzantin, est un art qui est toujours vivant. D'ailleurs, il existe des créations contemporaines. Ce n'est pas un art mort. En fait, je considère que ces musiciens créent de l'histoire avec leur musique. Depuis l'Antiquité, les Grecs ont toujours eu tendance à chanter ce qu'ils faisaient. Les chanteurs de musique byzantine sont les psaltes. On reprend doucement et de manière unie. Il faut toujours garder en tête que c'est un hymne mortuaire. Bien sûr, dans la tradition orthodoxe, on a la harmolipie, c'est-à-dire que dans les choses les plus déplaisantes se cache toujours la joie de la résurrection, qui transforme et perfectionne toute chose. On reprend. Cette musique est d'une grande complexité. Contrairement au système de notation connu en Europe occidentale, les caractères musicaux indiquent les intervalles de la mélodie et non les notes. Les psaltes doivent aussi savoir lire et chanter en grec ancien. Un apprentissage permanent que Dionysis suit depuis 17 ans. Moi, je révise 4 heures par jour, car la musique byzantine est composée d'histoires théoriques musicales, d'exercices pratiques et de décryptage des mélodies. La compréhension du texte est aussi essentielle à la bonne interprétation. Le rôle de la musique byzantine est de transmettre la parole de Dieu. La mélodie est là pour mettre en valeur le texte biblique. Nous sommes le dimanche matin. Athènes se réveille au son des pas de la parade de la garde présidentielle. Un rituel immuable se déroule. Ces soldats, ce sont les Evzones. Avec leur tenue traditionnelle, ils sont devenus un des emblèmes de la Grèce. L'origine des Evzones remonte à l'Antiquité. Le mot Evzone fait son apparition pour la première fois dans les épopées d'Homère. Ce mot désignait de grands soldats, très bien entraînés, aux capacités d'adaptation remarquables. Près de 2000 ans plus tard, les Evzones serviront leur patrie lors de la guerre d'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman. Ils deviendront alors la figure incontournable du soulèvement national. Au XXe siècle, ils se distingueront par leur courage durant les conflits balkaniques et les 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, les Evzones forment l'unité d'élite qui veille sur le Parlement et le palais présidentiel. Une de leurs missions est de monter la garde 24 heures sur 24 devant le monument aux morts. Un ballet savamment chorégraphié, dont on ne soupçonne pas la difficulté. En effet, l'uniforme des Evzones pèse une vingtaine de kilos. Pour devenir Evzone, il faut mesurer plus d'1,87 m. On doit par ailleurs supporter la formation et les situations difficiles, notamment les conditions météorologiques, le soleil. Parmi les contraintes, il y a l'immobilité et le silence imposé. Si quelqu'un nous importune, on tape l'arme à terre. Alors notre supérieur arrive pour voir s'il y a un problème. Mais nous ne pouvons communiquer avec lui qu'à l'aide de nos yeux. Un clignement signifie oui, 2 veut dire non, et 3, je ne sais pas. Voilà, au pire, on a le droit de chuchoter. L'habillement fait aussi partie du cérémonial. Des gestes ancestraux, accomplis toujours en binôme. La confection d'un seul uniforme nécessite 80 jours de travail aux couturiers et aux cordonniers. Les couleurs de cet uniforme ont leur signification. Le rouge, par exemple, symbolise le sang versé à travers les siècles. Le blanc évoque la pureté des intentions de ses soldats et la lutte du peuple grec. Ce vêtement traverse l'histoire jusqu'à s'imposer comme l'uniforme national des combattants lors de la Révolution grecque en 1821 contre l'Empire ottoman. À cette époque, il prend la forme qu'on lui connaît. Et notamment la fustanelle qui adopte ses 400 plis, symbole des 400 ans d'occupation ottomane. Autre élément caractéristique de cet uniforme, les chaussures. On les appelle les tsarouchi. Ces sabots, si reconnaissables avec leurs pompons noirs, pèsent plus d'1,5 kg chacun. Une soixantaine de clous sont plantés dans les semelles afin d'éviter les glissades. Les pompons, quant à eux, avaient une double fonction. La littérature populaire rapporte qu'il y aurait eu un objet tranchant dans le pompon. Cela servait lors du combat corps à corps pour neutraliser l'adversaire plus rapidement. Le pompon est en laine pour garder les pieds au chaud en hiver. Chaque dimanche, en fin de journée, les Evzones ont un autre cérémonial. Ils grimpent au sommet du rocher sacré de l'Acropole pour baisser le drapeau national. Être Evzone signifie pour moi être fier de sa patrie et avoir un sens de l'éthique. J'ai conscience d'être un symbole de mon pays. Evzone et Acropole riment avec Grèce. Au moment où les Evzones accomplissent leur rituel hebdomadaire, quelques privilégiés sont aux premières loges. Ce sont les habitants d'Anafiotika, un quartier accroché au flanc du rocher, au pied de l'Acropole. Je suis très fier d'entendre la drisse du drapeau. Tout le monde en Grèce n'a pas la chance de vivre sous l'acropole et d'entendre le drapeau qui monte et qui descend. Entendre ce son pendant que je bois mon vin, tout en voyant le drapeau descendre. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Je me sens très fier de ça. De l'Antiquité à nos jours, en passant par la période byzantine, la conquête vénitienne, la domination turque, la Grèce a de tout temps été source de convoitise. C'est une terre qui a vu fleurir notre culture européenne. Un monde unique, où se sont mêlés des hommes et des dieux. Voilà, ainsi se termine cet épisode du Grand Tour. Un Grand Tour spécialement consacré à la Grèce antique, avec ses légendes, ses mythes, ses dieux. La Grèce antique qui a façonné notre civilisation et nourri notre imaginaire. Fin de l'épisode donc, mais l'Odyssée continue. C'est par la fin que tout commence. À bientôt.